Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, dépendamment de qui côté et à qui les wap tendez wap gade nous sous TV La Caille. TV La Caille, c'est toujours avec un grand plaisir pour nous capables d'informer vous de tout ce qui a passé dans le pays d'Haïti ou à l'étranger. C'est toujours dans la même optique, ça nous toujours demandé ou même qui peut rejoindre nous dans la famille TV La Caille. Là, nous invitons, rejoignez nous pour nous capables de former une grande famille et un bon genre d'information. Sous canal ça, c'est canal et grands événements. Information pour vous concernant prix dollar, lui-même qui était à part et volé monter sous Goudla, côté Goudla lui-même, lui commencer à reprendre place lui. Mais son bagage qui purement politique et son bagage qui purement politique, eh bien, PM Jout lui-même, lui. Fait gros déclaration dans une conférence pour la presse et que tu tabay sous et question prix et produit et yo cap vendre sous marché a li fait qu'on est si toutefois prix produit yo pas descendre et yo pas affiché en good gain gros sanction qui va le prendre contre moun sa yo contre et moun qui pas voulez descendre prix manger yo et qui pas voulez eh bien, vendre tout produit eh bien, sous territoire national là en good. Pour plus de détails, nous allons inviter pour nous suivre PM Jout lui-même qui a pas bail de détails sous question ça. Pendant une conférence pour la presse sous prix sous dollar lui-même qui commençait perdre valeur sous good là. Pas oublier avant nous quitter ou nous inviter ou pas négliger rejoindre nous sous channel grands événements pour attendre le regarder sous TV La Caille et pas oublier inviter des trois amis des trois familles puis capable rejoindre nous tous dans famille ça. Comme ça, nous capables d'aider, nous grandir, nous capables d'avancer pile devant avec Chanel là. Nous disons grand merci encore une fois avec nous toutes. Restez connectés en attendant PM nan lui-même qui t'a intervenu dans la conférence pour la presse. Quel tabac. Président de la Chambre de commerce américaine en Haïti, Monsieur le Président de la Chambre de commerce et d'industrie haïtiano-canadienne, Monsieur le Président de l'Association des industries d'Haïti, Mesdames, Messieurs les membres des chambres de commerce et d'industrie et d'associations parties prenantes du présent accord, Mesdames, Messieurs les membres de la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne, distingués invités. Le gouvernement et des représentants des chambres de commerce et d'industrie, ainsi que d'associations du secteur privé, sont réunis ce matin pour signer un mémorandum d'accord sur la mesure d'affichage en gourde des prix des biens et des services sur tous les territoires nationaux. L'objet de ce mémorandum se décline en cinq points. L'engagement des chambres de commerce et d'industrie ainsi que d'associations signataires de la présente à demander aux entreprises commerciales et industrielles fonctionnant dans le pays pour prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de libeller toutes leurs transactions en gourde. Ce, conformément au communiqué 04 du ministère du Commerce et de l'Industrie en date du 31 août 2020. Deux, l'engagement du gouvernement de continuer dans la voie d'une gestion rigoureuse des dépenses publiques en vue de limiter le financement monétaire du déficit budgétaire qui est l'une des sources de l'instabilité du taux de change. Trois, un consensus sur la spécificité de certains secteurs comme la réassurance et le tourisme, nécessitant des considérations particulières en ce qui concerne la monnaie de règlement de certaines transactions. Quatre, la mise en œuvre d'un mécanisme de discussion inclusive au plus haut niveau pour réformer le secteur, du moins les secteurs vitaux de l'économie, afin de réduire le poids de la subvention de l'État dans ce secteur. Et cinq, l'instauration entre le gouvernement et les chambres de commerce et les associations signataires du présent accord d'un dispositif de dialogue permanent touchant les grandes mesures d'accompagnement à prendre concernant chaque secteur concerné. Ce mémorandum est l'aboutissement d'un dialogue qui a démarré le 4 septembre. Il s'est poursuivi à travers les échanges continus dans le cadre du processus d'élaboration du contenu
des différents points que je viens d'énumérer. L'esprit d'entente et de concorde, la volonté d'avancer ensemble dans l'intérêt de tous, nous a permis de parvenir à ce consensus. Dans la conjoncture actuelle, de telles attitudes constructives sont à promouvoir, voire renforcer. Notre pays a connu de nombreux bouleversements qui ont entraîné l'effondrement des institutions traditionnelles de la société. De nouvelles institutions font leur apparition, notamment l'état de droit, la démocratie, l'économie de marché, et le propre de ces nouvelles institutions est de faire une large place à la liberté individuelle, à la liberté d'entreprendre, à la liberté de contracter, ainsi de suite. La liberté ne veut pas dire l'absence de contraintes, l'absence de contrôle, l'absence de régulation et donc l'absence de pouvoir de coercition. La liberté signifie simplement toute intervention des pouvoirs publics pour faire valoir une contrainte, un contrôle, une régulation doit se faire au nom du bien supérieur de la nation. Sur le mémorandum d'accord. Merci. Monsieur le Premier ministre, messieurs les représentants du secteur privé des affaires, monsieur le gouverneur de la Banque centrale et messieurs les ministres, évidemment, vous avez parlé de mesures pour exiger au secteur privé d'afficher le prix des produits en gourde. Maintenant, au cas où certains membres du secteur privé n'accepteraient pas de mettre en application ces mesures, est-ce qu'il y a des sanctions prévues dans ce mémorandum? S'il y en a, est-ce que ces sanctions seront légales? D'abord, ensuite, aujourd'hui, il y a une grande différenciation, une différence dans le taux de change sur le marché. Hier encore, c'était à 75-77 gouttes, quelque chose comme ça, dans certaines banques. Mais il y a des institutions qui affichent encore le prix de leurs produits en gouttes en gardant le même taux, l'ancien taux 125-130 gouttes pour un dollar. Maintenant, que va faire l'État, le gouvernement, monsieur le Premier ministre, en ce sens-là, pour faire que ces institutions-là respectent les mesures prises par l'État haïtien. Merci beaucoup. C'était Jean-Jules Desaugustes pour Radio et Télémétropole. Merci beaucoup. Nous avons prévu, il y a une sanction prévue pour ça dans la loi. Mais, on est bien. Ça marche maintenant. Merci. Alors, il y a des sanctions déjà que la loi. La loi. Ok, ça va. Mm-hmm. Oui, il y a déjà des sanctions prévues par la loi. Et le ministre du Commerce saura en temps et lieu comment appliquer ces sanctions. Mais là, aujourd'hui, si nous étions en retard aujourd'hui, c'est que nous étions en train d'arrondir les angles, nous mettre sur la même page. C'est-à-dire le secteur privé est largement représenté ici à travers ses représentants. Et là, nous resterons à l'écoute. Et étant donné qu'il y a une autre partie, que c'est nous au niveau du gouvernement, nous avons aussi notre devoir à faire. Là maintenant, nous allons accorder nos violons pour que nous soyons toujours sur la même longueur d'onde. L'autre question, c'est que c'est... Vous savez, malheureusement, et nous sommes dans ce qu'on appelle une économie de marché. Le ministère du Commerce aussi a des inspecteurs dans les rues, et ceci chaque jour, et pour vérifier ces genres de comportements, là maintenant, la loi va sévir contre les gens qui continuent à faire fonctionner comme ça l'économie. Parce que les lois sont là, il suffit de les appliquer. Merci. Thank you.
Merci. Donc, je salue l'intervention du Premier ministre et des deux Premiers ministres. Donc, je salue l'intervention du Premier ministre et les autres membres du panel. Donc, j'ai une question en ce qui concerne l'application de ce mémorandum d'entente. Est-ce qu'il est prévu qu'une période d'évaluation, est-ce qu'il y a une période à proprement dit pour l'application de ce mémorandum d'entente? Merci. Merci. C'est prévu que le dialogue va continuer entre les membres du gouvernement et le secteur privé. C'est prévu. Merci beaucoup. C'est déjà prévu dans le mémorandum. Un délai? Non, il n'y a pas de délai. C'est-à-dire, on avait commencé le 4 septembre. Je crois qu'on a eu déjà deux réunions entre le 4 septembre et aujourd'hui. Là, nous allons continuer à travailler ensemble. Merci. Monsieur le Premier ministre, c'est Jussi Bonseliné pour la Radio Nationale d'Haïti. Donc, dans le mémorandum, c'est là que nous soutenons. Donc, il y a un rapport directement avec question commerce. Mais nous connaissons ici en Haïti, aujourd'hui, propriétaire Kayo, il a fermé Kayo, c'est en majeure partie, c'est en dollars. Est-ce que dans le mémorandum, c'est là, il y a des sanctions qui prévoient, ou bien il y a des clauses d'accompagnement qui prévoient pour les gens qui n'ont pas fermé Kayo et que le propriétaire a exigé c'est en dollars pour le payer? Merci beaucoup. Bon, là, il s'agit d'un contrat sous sein privé et deux parties. Parce que un contrat, c'est régi, du moins, la loi prévoit que c'est deux mounes ou bien trois mounes ou bien deux groupes de mounes qui font contrat. Mais si on entend yo sous ça, l'État pas même au courant si contrat a été fait. Là, maintenant, nous finissons d'entendre nous pour nous faire. Yo ka payé en dollars, tout comme yo ka payé en gourde, et puis il a respecté taux de référence que Banque Centrale est fixé, du moins mette. C'est comme ça lié. Dans tous les pays du monde, on nous a signé un contrat dans quelques monnaies qu'on choisit faire. Mais c'est une entente de deux parties ou bien de deux groupes de personnes. Merci. Merci. Nous voilà arrivés au terme de la cérémonie. Donc, merci. La voix de l'Amérique, allez-y. Le Premier ministre, je veux me saluer, le représentant du secteur privé qui est là. Et le ministre de commerce, là, Jonas Kofi, pendant a annoncé des mesures que il a adoptées pour permettre que le prix soit affiché en good, pendant que le good là, qui n'a pas apprécié par rapport à le dollar américain, hein, sur le marché national, là, il y a un bagage qui a passé dans la banque commerciale. Je dis, si vous avez besoin de changer 100 dollars américains, on va d'accord. C'est 50 dollars seulement que vous voulez changer pour vous. Donc, là, on est qui ça qui explique ça. Merci. Et autorité monétaire, au moment venu, il y a pas de réponse à ça. Mais c'est bon signe. Gon le tout, ou tu as besoin d'acheter 500 dollars, ou pas de vendre nous. Il y a 50 dollars, ou pas de vendre. Alors, le bon dit le bon. Nous, nous comprenons que nous-mêmes les hommes, nous ne sommes jamais satisfaits. Nous toujours demander plus et c'est normal. Mais autorité monétaire, il y a résolu le problème non, au fur et à mesure. Et merci en pile, c'est une très 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 belle question. Parce que je pense que chaque journaliste qui pose des questions là, il pose des questions pour la population. Vous êtes à l'écoute de la population, nous portez pour nous, nous noter et nous prenons les mesures qui s'imposent pour que nous satisfaisons les besoins de la population. Alors, m'a profité remercier tous les représentants du secteur privé. Je pense que c'est très bien. Et moi souhaitais, une autre là encore, n'a pas invité journalistes à venir ouais discussion, parce qu'on a eu des discussions assez mouvementées là ce matin. Nous avons fini d'entendre nous son bagage et puis boum, discussion encore. Mais en fin de compte, le problème a été résolu. Et m'a profité tout remercier la presse pour patience. Li. Moi-même, le jour où j'ai patience la presse, m'a millionnaire. Merci en pile. Bonne journée.